qui la gauche doit lutter au quotidien. Je suis fier d'avoir mené une campagne fondatrice qui a redonné sa place à la magnifique jeunesse de notre pays. Aux intellectuels et aux idées nouvelles, aux citoyens aussi. Je vous la demande. La gauche. Je ne vous la promets pas. Je vous la demande. La gauche du 21e siècle ne peut naître que de votre volonté et de vos espoirs, pas seulement de votre colère. Mais avant cela, il nous faut être à la hauteur du moment. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front National. À battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Même si celui-ci n'appartient pas à la gauche, il n'a pas vocation à le représenter demain, je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République. L'heure est grave, le combat continue, dès le second tour de l'élection présidentielle, dès les législatives qui suivront les élections présidentielles. Ce soir, je ne pense qu'à celles et ceux qui nous attendent. Je ne les abandonnerai jamais. Je ne déserterai jamais. Pas seulement parce que c'est le devoir de la gauche, mais parce que c'est le combat de ma vie, parce que je sais d'où je viens, parce que je sais pour qui je me bats, je ne renoncerai jamais à parler à l'intelligence du grand peuple que vous êtes. Aujourd'hui donc, vive la République et que demain, vive la gauche. Je vous remercie. Cette courte allocution, un peu moins de 3 minutes de Benoît Hamon qui, je vous le rappelle, aurait recueilli à peu près 7% des suffrages. Revenons très précisément, il est 20h15 sur cette estimation de nos partenaires de la Kantar Sofres One Point. Avec, vous allez découvrir les deux qualifiés pour le second tour de cette élection présidentielle 2017 à égalité. Pour l'instant, il est impossible de les départager, Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec 23%. Même chose, même situation délicate pour l'instant entre les 3e et 4e. Jean-Luc Mélenchon serait à 19%, tout comme François Fillon. Benoît Hamon, lui, aurait récolté 6,8% des voix, moins de 7% des voix. Alors que je vous rappelle que nos partenaires, évidemment, affinent ces estimations tout au long de la soirée. Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, a recueilli 5% des suffrages. Jean Lassalle, 1,5%. Philippe Poutou, pour le nouveau parti anticapitaliste, 1%. 1% également pour François Asselineau, 0,5% pour Nathalie Arthaud de l'Ouvrière et enfin 0,2% pour Jacques Cheminal. Alexis Corbière, vous rêviez que votre candidat Jean-Luc Mélenchon soit parmi les deux premiers et qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est-à-dire que partant de 17, il s'est foutu à 11. Il s'est maintenu, ça n'a pas été suffisant. Oui, mais permettez-moi d'abord, sans faire injure aux gens qui travaillent à ce score, de dire je vais attendre un petit peu parce que d'autres chaînes de télévision ne proposent pas les mêmes chiffres. Et j'ai souvenir qu'en 2012, Mme Le Pen avait été annoncée à 20% et qu'à la fin, elle était à 17,9%. Vous avez encore un doute, hein. Je permets que vous l'avez annoncé, c'est serré, on va attendre, on va regarder. Il est possible encore, les bureaux de vote ont fermé dans les grandes villes à 20h, notamment à Paris, où je ne crois pas que le Front National fasse des bons scores. Donc ça peut se resserrer. Et permettez donc que je sois dans cet état d'esprit. Mais je ne vais quand même pas éviter totalement votre question. Il y a un vieux monde politique qui s'est effondré, il y a une force politique nouvelle qui a émergé avec la formidable campagne que nous avons menée. On a de quoi être collectivement fiers de ce qui a été fait, 440 000 personnes nous ont rejoints.
À titre personnel, je dois vous dire que si nous ne sommes pas aussi longtemps, je serais déçu, car effectivement, notre objectif était d'être aussi l'élection présidentielle. Je crois que tous les gens qui se sont engagés avec cœur dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon doivent être dans ce double sentiment à l'heure où nous parlons. Mais on va attendre un petit peu, parce que peut-être les formidables ressources du peuple français peuvent amener à ce que le choix au deuxième tour ne soit pas entre la règle d'or de l'austérité et la nationale. Et moi, je ne crois pas que la France soit représentée par ce deuxième tour. D'ores et déjà, si on croit aux chiffres, ils sont minoritaires par rapport à ceux qui sont exprimés. Et donc, la 5e République ne doit pas enfermer notre peuple dans une fausse alternative, même si je ne mets pas un signe égal entre les deux, mais entre la xénophobie et le libre-échange, le libre-échange est la seule loi du marché. Je crois qu'il y a beaucoup de Français républicains humanistes qui ne se reconnaissent pas. Juste une question personnelle, si les résultats étaient ceux qui sont annoncés, c'est-à-dire qualifiés pour le second tour, Madame Le Pen, Monsieur Macron, vous, Alexis Corbière, pour qui voteriez-vous? Quelle consigne donneriez-vous? Et quelle consigne donnerait votre champion Jean-Luc Mélenchon? Mon candidat, mon champion, on va sortir de ce vocabulaire, on va avoir un vocabulaire républicain. Non mais nous on l'a toujours dit, de toute manière, 440 000 personnes s'engager, on les consultera. Et moi je crois que je n'ai pas approuvé depuis 30 ans que je fais de la politique, de pas une voix de voir l'extrême droite ni au Front National. Mais on va attendre les résultats, on va consulter nos amis évidemment pour dire les choses, Jean-Luc Mélenchon s'exprimera tout à l'heure. L'ensemble de ma vie, de mon combat, comme tous mes amis, a toujours été l'humanisme, le combat social et le refus de la xénophobie, évidemment des thèses du Front National. On a envie de vous entendre, Cécile Duflot, et vous aussi, Stéphane Le Foll, puisque ce soir, le Parti Socialiste est le candidat de la primaire de la gauche, descend en dessous des 7%. C'est une claque, on peut dire ça comme ça, Mme Duflot? Oui, c'est un échec. D'ailleurs, Benoît Hamon l'a assumé, très clairement. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est douloureux. C'est douloureux parce que je pense qu'il sera nécessaire de comprendre ce qui s'est passé, et ça l'est d'autant plus que le choix qu'a fait Benoît Hamon, qui était un choix d'un projet écologique, social, innovant, qui répond aux besoins d'aujourd'hui et des générations qui viennent, était un projet qui méritait d'être davantage soutenu. Je pense d'ailleurs qu'une grande partie des gens ont fait des choix de vote, on le verra, qui ne reflètent pas forcément ce à quoi ils adhèrent le plus, mais dans des circonstances politiques qui, comme vous l'avez dit, sont très compliquées. En revanche, pour le second tour, je voudrais ajouter un point. La grande particularité, c'est que nous ne sommes pas le 21 avril 2002. Le 21 avril, c'était une surprise et un traumatisme. Là, c'était annoncé, presque comme une évidence, que Mme Le Pen serait au second tour. Donc je crois que la responsabilité d'Emmanuel Macron, pour lequel, comme Benoît Hamon, comme je le souhaite, tous ceux et toutes celles qui ont au cœur la démocratie voteront dans deux dimanches, sera très particulière, elle sera très différente. Elle sera très différente parce qu'on voit bien que l'augmentation de ce score, ce que ça signifie du malaise, de la souffrance, de la difficulté à ce que la politique réponde aux habitants de notre pays, est quelque chose de très grave. Ça veut dire que, bien sûr, je voterai pour Emmanuel Macron sans hésiter. J'essaierai de convaincre plus largement ceux et celles qui, je les ai entendus pendant la campagne, nous dire on ne refera pas le coup une deuxième fois du chantage. Et donc, je pense que la responsabilité d'Emmanuel Macron est très différente de celle de Jacques Chirac. La situation est très différente. L'issue de ce second tour aussi devra être très différente sur la capacité qu'il aura pas seulement à gagner sur son projet, il ne gagnera pas sur son projet, mais sur un message qui va être envoyé à l'ensemble de notre pays. Nous sommes à un moment carrefour très douloureux et finalement très dangereux aussi. Merci Cécile Duflot. Il y a un très court instant, le Premier ministre Bernard Cazeneuve s'est exprimé. Il a parlé notamment de ses intentions de vote au second tour. Regardez-le. Ce soir, la présence d'une candidate d'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle, 15 ans après le choc d'avril 2002, appelle une position claire et forte de tous les républicains. C'est la raison pour laquelle je les appelle solennellement à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle pour battre le Front National et faire échec à son projet funeste de régression de la France et de division des Français. François Baroin, d'un mot, avez-vous communiqué avec votre candidat François Fillon? Savez-vous si lui, à titre personnel, comme vous l'avez annoncé vous-même il y a un quart d'heure, votera ou voterait pour Emmanuel Macron? Parti très tôt pour rejoindre vos studios, puisqu'on va être là très en avance, et c'est normal, donc je n'ai pas eu au téléphone, pas très très bien capté à l'intérieur du sous-sol, on est en direct, mais il fera évidemment une déclaration plus bien. Juste dire une chose, là c'est un choix...